Alright, alright. I know you're still here. Il est 20h30, on est arrivé à Maya. Évidemment, on n'a pas réussi à avoir le dernier bateau pour Malpasqua. Donc on a passé la journée dans les transports, vous allez voir ça. Et donc évidemment à Malpasqua, il n'y a pas de distributeur de billets. Évidemment, nous n'avons pratiquement plus d'argent. Évidemment, ici, il y a un chat qui va se faire égorger, on dirait. Évidemment, ici à Maya, il y a un seul distributeur qui est à 10 minutes de moto. Donc on a été avec un type qui nous a amené là-bas. Évidemment, le distributeur ne fonctionne plus. Donc voilà, on se retrouve encore en galère sans argent parce qu'on a déjà eu ça assez beau, on vous avait pas montré. Mais on s'est retrouvé en galère sans argent pendant 3 jours. Et donc voilà, demain on espère que le distributeur fonctionnera, sinon on sera obligé d'aller dans une ville qui est vachement plus loin, à une heure de route je pense, donc ça nous fera 2 heures de route aller-retour pour aller chercher de l'argent. Donc voilà, on est un peu sur les nerfs, hein. Surtout Antoine. Regarde, je te filme juste pour que tu vois comment t'es fâché. On est le 25 juin, on est arrivé enfin sur l'île de Malpasqua. Antoine ce matin, donc à Maya, a dû aller en moto, faire une heure aller, une heure retour pour pouvoir aller chercher de l'argent parce que Malpasqua est tellement petit qu'il n'y a pas de possibilité de retrait d'argent, mais je vous l'avais déjà expliqué. Et donc on est arrivé à Malpasqua ce midi et donc voilà, on a un petit peu fait le tour de l'île, ça se fait très rapidement parce que l'île est vraiment très petite. Moi j'aime bien l'île personnellement, mais Antoine il est un petit peu déçu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment pas grand chose. Et donc tous les prix sont vraiment exorbitants par rapport à tout le reste des Philippines, on trouve. Là, à son tour, on a été se renseigner pour pouvoir faire des plongées. Et encore une fois, Antoine est hyper déçu parce qu'on voulait plonger avec les requins renards. Seulement, moi j'ai que mon open water, donc le premier brevet PADI, et je peux plonger qu'à 18 mètres. Tandis que pour aller voir les requins renards le matin, il faut pouvoir plonger à 30 mètres et donc être le brevet au-dessus qui est le Advance. Et donc moi je ne peux pas aller plonger, Antoine a son Advance donc Antoine peut plonger. Et on est venu spécialement ici pour ça. Salut à tous, il est 4h du matin, on part pour une excursion avec les requins renards, unique endroit où on peut les voir dans le monde. Voilà, il fait nuit noire, j'espère qu'on verra quelque chose et ben, surtout j'espère qu'on pourra survivre. Mais bon, ça c'est pas trop d'histoire, on verra. Suivez-moi et à tout de suite, peut-être plus. Ciao, ciao.
plongea, c'était bien ta plongée? Explique. C'était bien ta plongée? Mais allez, explique vraiment. C'était bien ta plongée? C'était bien. Ta plongée? Ma plongée. Des petites ringues. T'as vu des gros requins? C'était gros, ils avaient une queue qui était aussi grande que moi. Un jour, trois questions. Quelqu'un qui voudrait, avec peu de temps, venir visiter les Philippines, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire et éviter? Avec peu de temps aux Philippines, bah, sachez déjà que moi je ne conseille pas de passer peu de temps aux Philippines. Si vous prévoyez de venir aux Philippines, bah, prévoyez un mois, comme le visa standard qu'on a, donc ça prévoit 30 jours. Même encore, je trouve que c'est pas spécialement assez. Mais par rapport à ce que nous on a fait, je trouve que venir sur l'île de Cebu, depuis l'île de Cebu, vous pouvez aller à Sitijor, vous pouvez aller à Malapascua, vous pouvez aller à Bohol, et puis de Bohol, il faut encore prendre des bateaux. Tout ça, ça se fait en bateau, au lieu de prendre des avions d'île en île. Moi, je pense que c'est une bonne solution. C'est par rapport à ce que nous on a fait. Et puis pour le reste, je sais pas, il y a tellement d'îles à découvrir que je pense qu'on peut faire deux fois un voyage de 60 jours aux Philippines. Voilà, on n'aura pas assez. Même nous, on passe 6 semaines aux Philippines. Et je trouve que, enfin voilà, il y a des trucs qu'on n'a pas su faire, qu'on voulait faire. Et donc voilà, c'est un très grand pays. Il y a plein de découvertes, il y a plein de richesses dans ce pays. Il y a des très très beaux paysages partout. Mais il faut pouvoir faire des choix quand vous êtes ici. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, de la plongée, de la randonnée, de la plage, voir des animaux ou pas. Si tu devais revenir aux Philippines, qu'est-ce que tu viendrais y faire? Si je devais revenir aux Philippines, il y a une île où j'irais de toute façon, c'est à Sargao, parce qu'on nous a vraiment conseillé d'y aller. Seulement, on n'a pas pu y aller par faute de temps. Et puis, je pense que... je sais pas, je ferais Sargao. Est-ce que tu reviendrais sur tes pas sur certains endroits ou est-ce que tu déciderais de... Je pense que je retournerais à Sikijor. Je ne sais pas si je retournerai à Palawan parce que voilà, j'ai passé la plongée et puis voilà, après je suis tombée malade là-bas donc voilà, je ne sais pas trop, mais je pense que je retournerai à Sikijor, que j'irai à Siargao et puis peut-être que j'irai à d'autres endroits. Il y a tellement de choses à faire aux Philippines, tellement d'endroits où aller. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout pour le moment, merci beaucoup et au revoir, à très bientôt. Lui, il fait le présentateur. Là, oui. On a quitté Malapascua ce matin. Et voilà. Non, on n'a pas filmé beaucoup à Malapascua parce qu'il n'y a pas énormément à filmer. Et puis l'île est vraiment très petite. Et Antoine a plongé. Et puis après, pour le reste, on a vu plonger sur la plage. Et donc, du coup, comme je disais, on a quitté Malapascua ce matin. On a pris le bus pour venir ici jusqu'à Danao. Là, on va devoir prendre un ferry, on l'a juste loupé, je pense, à 10 minutes. Donc on doit attendre 2h30 dans le terminal de ferry. Enfin, le terminal. Dans la gare portuaire. Et puis après, on a 2h de bateau. Donc là, le bateau est à 3h30, donc on va arriver vers 5h30. Aux îles Camotes. Voilà, on arrive aux îles Camotes.
Et voilà, c'est des petites villes où il n'y a rien à faire. Ça va être génial. Non, on va juste poser, c'est la... Il nous reste combien de jours là? Il nous reste 5 jours aux Philippines seulement. Ça passe super vite, ça fait déjà 6 semaines, 5 semaines qu'on est là. Bon, et tu montres l'endroit où on est là, bloqué pendant 2h30. Il n'y a pas un ventilo, il n'y a rien. Bon alors mon chat, aujourd'hui je vais te poser des questions par rapport au requin renard pour les gens qui seraient intéressés en fait. Pourquoi est-ce que Malapascua est hyper connu dans le monde pour les requins renards? Parce que c'est le seul endroit où on peut plonger avec les requins renards de façon quotidienne, donc on est sûr de les voir. Ok, et donc en fait on t'a vu là à genre 4h30 du matin, comment ça se fait que t'as dû faire une plongée si tôt? Parce que les gens sont des leftos tout simplement. Et en fait, c'est surtout dû au fait que les requins renards passent leur temps à vivre à plus ou moins entre 200 et 500 mètres de profondeur. Et ils montent à 30 et 20 mètres pour se faire nettoyer par les poissons entre 5h du matin plus ou moins. Donc la plongée, il faut se lever très tôt, partir au large. Et puis après, on descend à 30 mètres. Et puis là, on... Et t'as bien aimé cette expérience? C'était une superbe expérience. C'est vrai. Je pensais qu'ils allaient être plus grands, mais ils étaient quand même bien grands. Puis la queue était bien. Mais oui, c'est quoi la particularité du requin renard en fait? C'est justement cette queue qui fait que en fait elle fait la moitié du corps et elle est très longue. Et c'est comme ça qu'on reconnaît facilement le requin renard. Vas-y, montre-nous. Mais non, allez, c'est ça. Ils étaient grands comme ça. Et là, j'en ai pris un avec moi. Donc voilà, mais en fait, là, il est mal proportionné, mais normalement, la queue du requin doit faire la moitié de son corps. Et voilà. Donc, du coup, bah, il a une petite tête, toute pointue, avec des dents, toute petite bouche, des petites dents. Et en fait, ils ont une autre particularité, c'est qu'ils peuvent se manger entre eux, ces requins. Après, bon, on les retrouve dans tous les récifs chauds. Il faut qu'il y ait de la profondeur. Et puis voilà, c'est des requins qui sont potentiellement dangereux pour l'homme, même si la dernière attaque, je pense qu'elle doit dater des années 80 en Nouvelle-Zélande. À mon avis, c'est sûrement quelqu'un qui avait dû se toucher. Ouais, comme ça, parce que c'est des plongées quotidiennement à Malapascua, il n'y a jamais eu d'accident. Donc, ils sont pas dangereux les requins. Okay. Les gens qui donnent les dive masters, ils ne savent pas expliquer pourquoi les requins ils restent à cet endroit-là. Mais en tout cas, c'est le seul endroit pour le moment où on a trouvé un spot où on peut plonger avec les requins renards. Mm-hmm. Et du coup, ben, la seule attraction de cette île, c'est aller faire ses plongées avec les requins. Donc tu nous en dis plus par rapport à ton expérience? Qu'est-ce que tu en as pensé? T'étais impressionné? Comment t'as vécu ça? J'étais plus emballé qu'impressionné. Généralement j'essaie de gérer mon souffle quand je fais de la plongée parce que j'ai tendance à trop vite consommer. Donc du coup ça arrive parfois qu'à cause de moi on doit monter trop haut. Et donc là quand j'ai descendu et qu'on a commencé à avoir les requins, bah, j'étais hyper excité et du coup ma respiration a commencé à s'accélérer. Et puis à un moment le dive master a demandé à tout le monde où est-ce qu'on en était dans l'oxygène. Non. Dans les barres qui nous restaient, l'oxygène. Voilà. Le dive master il a commencé à nous demander où est-ce qu'on était dans les barres qui nous restaient. Et puis en fait moi j'étais à 30 barres en dessous de tout le monde et donc du coup j'ai commencé à me calmer. Puis à me calmer, à essayer de faire des mini, des petites apnées pour essayer que les autres me rattrapent. Mais attention, on n'a pas le droit de faire ça quand on plonge. Hein. Il ne faut pas le faire, moi je l'ai fait, parce que moi je voulais rester le plus longtemps possible. Un autre truc qui était sympa, c'est l'endroit où nous on a plongé, c'était avec la compagnie Fresher Dive. C'était un paddy 5 star et en fait ce qui est bien c'est qu'eux ils ont un site de plongée qui leur est propre par rapport à ces requins. Donc du coup parce que là sur l'île il y a plein de sites de clubs de plongée qui proposent d'y aller. Mais ce qui est dommage c'est qu'ils se retrouvent tous un peu sur le même secteur, donc j'en sais rien, mais j'imagine que quand ils plongent ils se retrouvent tous au même endroit.
et donc c'est un peu moins glamour. Donc là, avec le Fraîcheur Shark, ils ont leur point à eux. Et donc du coup, on se retrouve qu'avec des gens qui sont sur le bateau. Bilan, t'as trouvé ça génial? Ben, bilan, c'était cool. J'aurais pu le refaire, mais vu que la première expérience était super sympa et qu'on en avait vu beaucoup. J'ai vu 8 requins d'un coup, alors qu'ils disaient que des fois ben, on en voyait qu'un et qu'on ne pouvait pas assurer le fait qu'on les voit ou pas, parce qu'en fait ils les nourrissent pas, donc ça dépend de s'ils montent et s'ils montent à cet endroit-là. Donc, ils disaient des fois on en voit un, des fois on en voit 8, des fois on en voit 5. Donc là, moi j'en ai vu 8 d'un coup et je me suis dit bon, je préfère rester sur une bonne expérience que refaire une plongée et puis en voir un et limite de voir mal. Je suis resté sur une bonne impression et puis voilà, j'ai peut-être pas vu les plus grands, mais après que j'ai vu les plus grands, j'en sais rien, c'était cool. C'est bizarre parce que tu vois, je vois un flash et j'ai des trucs dans les yeux et je vois, tu sais, parfois tu as des petites lumières dans tes yeux et je vois l'Afrique, je vois le continent africain. C'est quoi un film là depuis tout à l'heure?